Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale du Watcher Post EU dédiée aux élections législatives anticipées en France. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Romain Pasquier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Pasquier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po Rennes. Les résultats du deuxième tour des élections législatives ont créé la surprise. Je rappelle que le Rassemblement national était donné en tête au premier tour des élections. Et c'est le Front populaire, le nouveau Front populaire, qui a rassemblé le plus de sièges à l'issue du deuxième vote. Je rappelle la répartition des 577 sièges à l'Assemblée nationale après le deuxième tour. Le nouveau Front populaire, donc l'alliance de la gauche, réunit 182 sièges. Ensemble, la coalition de la majorité présidentielle réunit 163 sièges et le Rassemblement national arrive troisième avec 143 sièges. Quelle analyse pouvez-vous nous donner, Monsieur Pasquier, de ces résultats? Y a-t-il, selon vous, un vainqueur de ces élections? Ah ben écoutez, oui, il y a un vainqueur en termes de sièges. Vous l'avez dit, c'est la coalition de gauche, c'est le nouveau Front populaire qui l'emporte. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, l'autre enseignement, c'est la confirmation de la triangulation de la vie politique française. On a trois blocs qui, bon an, mal an, sont relativement équivalents et donc qui posent de redoutables problèmes pour construire des coalitions. Dans la mesure où, traditionnellement, dans la vie politique française, depuis notamment les débuts de la Ve République, il y a des blocs relativement clivés et que la culture politique n'est pas au compromis. Vous êtes vous-même expert de la question territoriale. Est-ce qu'au lendemain de ces élections, donc très tôt, vous êtes déjà en mesure de nous livrer une analyse de la répartition territoriale du vote en France? Alors oui, on voit bien les zones de force, par exemple, du Rassemblement national. Hein, c'est tout le sud, tout le pourtour méditerranéen qui est quasiment exclusivement recouvert de députés Rassemblement national, hein, de Perpignan à Nice, également dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, pas très loin de chez vous, finalement. Là aussi, il y a de nombreuses circonscriptions qui ont été enlevées par le Rassemblement national, et puis le centre de la France également, hein, et, centre-est, autour de la Marne, Champagne-Ardenne, etc. Pour la majorité présidentielle, c'est très clair, c'est... plutôt l'ouest de la France, hein, le grand ouest de la France qui est vierge de députés Rassemblement National en réalité, et où à la fois la majorité présidentielle et dans les grandes villes, la gauche qui s'impose. De manière générale, la gauche s'impose dans les grandes villes, elle est battue la plupart du temps dans les campagnes et dans les villes moyennes. Donc là, on voit aussi un clivage urbain-rural se durcir en France. Sur l'Assemblée, on parlera ensuite du gouvernement, si vous voulez bien. Sur l'Assemblée nationale, la session parlementaire va s'ouvrir dans 12 jours, le 18 juillet. On est loin d'une majorité absolue, hein, on l'a compris depuis hier. Vers quelle majorité s'oriente-t-on en France à l'Assemblée, selon vous? Alors, écoutez, c'est très difficile à dire. Plusieurs scénarios sont possibles. Pour le moment, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de rester en poste, de gérer les affaires courantes. Je pense que ça pourrait peut-être aussi se faire au-delà des Jeux Olympiques. Après, la gauche est en train de s'organiser, là, au moment où on nous parle, pour proposer un nom de Premier ministre. Mais encore faut-il qu'il y ait une majorité qui s'élargisse. Là, en l'occurrence, je pense pas... On ne peut pas prédire un grand avenir à un Premier ministre restreint au nouveau Front populaire, surtout si c'est basé sur son programme qui est très clivant en termes de rupture économique. L'autre solution, ce serait un gouvernement d'union nationale qui partirait des socialistes modérés jusqu'à la droite modérée. Mais là, ça supposerait que le nouveau Front populaire éclate et que les socialistes et les écologistes se séparent de la France insoumise. Là non plus, c'est bon. Pour le moment, ça paraît difficile à imaginer. Peut-être davantage dans les semaines qui viennent. Et puis la dernière option, c'est un gouvernement technique de hauts fonctionnaires qui gérerait pendant de longs mois, la France, mais sans évidemment être en capacité d'impulser une nouvelle politique dans un sens ou dans un autre.
Et ceci nous amènerait jusqu'à l'été 2025, où là, de nouveau, le président de la République pourrait dissoudre. Est-ce que la Constitution prévoit quelque chose ? Est-ce que pour constituer un nouveau gouvernement, alors là, on l'a compris avec le refus du président d'accepter la démission du Premier ministre, on aura un gouvernement qui va continuer. Mais ensuite, est-ce que la Constitution prévoit quelque chose pour le temps pour créer ce nouveau gouvernement ? Ou non, ça peut effectivement être un temps très long ? Non, non, non. Ça peut être un temps très long. Rien n'est prévu dans la Constitution. Il n'y a pas de temps imposé au président de la République pour... choisir un Premier ministre, c'est la rencontre entre la volonté du président et les contraintes institutionnelles et politiques. C'est-à-dire que il faut trouver un Premier ministre qui puisse avoir une majorité, qui puisse avoir un vote de confiance à l'Assemblée. Et donc, ça peut durer effectivement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On n'a jamais connu ça. Sous la Ve République, donc on va inaugurer une période beaucoup d'incertitude, sans doute d'instabilité, mais plus d'incertitude que d'instabilité d'ailleurs. Je vous posais la question de savoir s'il y avait des grandes réformes ou des lois, des chantiers politiques sur lesquels le gouvernement était en train de travailler avant la dissolution, qui doivent être entrepris dans les prochains mois. Est-ce que le fait que cette période inédite d'incertitude, est-ce qu'elle pourrait avoir des répercussions sur la vie politique française en tant que telle? Et notamment, je pense, alors on se projette dans le temps, mais à la loi de finances de fin d'année, par exemple? Oui, bien sûr. Hein, il y a la loi de finances de l'automne qui va arriver, qui est une épreuve chaque année. Hein, il va falloir voter un budget quand même. Hein, donc, il faut trouver une majorité pour voter un budget. Ça fait partie des contraintes politiques et institutionnelles que j'évoquais il y a un instant. C'est la première étape, une étape nécessaire évidemment au bon fonctionnement du pays. Après, il y a d'autres sujets qui étaient en débat. Il y avait un projet de loi sur la fin de vie, il y avait une réforme de l'assurance chômage. Bref, il y avait toute une série de dossiers qui étaient en discussion, parfois bien avancés, avec des majorités de projets et qui ont été dissous avec l'Assemblée. Donc il va falloir reprendre tout ce travail dans un contexte encore plus instable, avec une majorité, quelle qu'elle soit, qui sera encore plus faible que celle précédente, où je le rappelle quand même, Emmanuel Macron avait le soutien de 250 députés. Là, au mieux, vous l'avez dit, le nouveau Front Populaire, c'est 182 députés. On est à Bruxelles, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure. Un nouveau Parlement européen a été élu, on s'en souvient, puisqu'il a précédé ensuite la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette situation politique française a ou aura, selon vous, des répercussions au niveau européen ? Sans doute que les prises de décision de la France pourront être un peu ralenti, il faudra toujours, tout dépendra un peu du gouvernement et de ses positions au niveau européen. On se rappelle de la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac au milieu des années 80 ou à la fin des années 90 entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Disons que ça ne fera pas de la France un moteur véritablement du projet européen, sans doute pas. Parce que elle va être dans l'attente et beaucoup d'acteurs politiques vont être dans l'attente de 2027, c'est-à-dire des élections présidentielles. Je vois plus la France devenir un voilà. Elle va suivre sans doute qu'elle va évidemment chercher à consolider, à ne pas fragiliser le couple franco-allemand. Mais les grandes envolées lyriques d'Emmanuel Macron et sa volonté de leadership européen va s'en trouver quand même affaiblie. Je comprends et effectivement ce sont des conséquences qui seront donc importantes. Merci beaucoup pour ces explications et pour votre analyse des résultats des élections législatives anticipées. Merci beaucoup Monsieur Basquet. À bientôt. Je vous en prie. À bientôt. À très bientôt sur The Watcher Post EU. Merci encore pour votre attention.